Voilà. Donc Mais si tu après. tombes sur des serpillères, eh ben je te prendrai des serpillères. Ah Non! bah si, si tu tombes sur des culottes de grand-mère, je t'achèterai des culottes de grand-mère. Elle servira à rien. Coucou Tinelle! Coucou les petits copains et copines! Coucou, alors comment tu vas? Bien et toi? Ouais, bien, bah, moi je vais toujours bien. Alors dis-moi, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Parce que oui. Moi je le sais Yes, et... man, challenge! Voilà, je suis pas très rassurée. Je crois que Tinelle est particulièrement contente aujourd'hui de faire cette vidéo. Oui! Ouais, moi un peu moins. Alors Tinelle, est-ce que tu peux nous rappeler, vite fait bien fait, ce que c'est le Yes Man Challenge? Enfin moi je sais ce que c'est. Tu dois dire oui à tout! Ce voilà. que je veux. C'est ça, je dois dire oui à tout ce que tu veux. Trois noms. J'ai droit à trois noms quand même. Moi, elle est trop mignonne. On verra où tu veux aller, ce que tu veux, tout ça. Déjà, Sindel m'a parlé du marché de Noël. Ouais. Donc, on va, oui, le faire puisque c'était prévu. Donc, ça, je te dis oui. Mais on va d'abord aller faire un autre magasin parce que moi, j'ai des choses à faire aussi avant. Donc, voilà, on va prendre le tram qui est là-bas et c'est parti. Let's go. Go. Ah, les chaises que Sindel veut faire. Je vais essayer de vous éclairer tout ça parce que... Non, non. Tu veux pas les faire celle-là? Non. Bon, bah là pour le coup, c'est Sindel qui dit non. Ça va tout petit. Donc voilà, il est tout petit, on est en plein jour, donc ça donne pas terrible terrible. Mais c'est joli quand même. Il y a même la grande roue, j'ai peur. Ah oui, il y a la grande roue. Parce que j'ai peur de faire la grande roue toute ouais, seule. T'as peur qu'elle écroche? Oui. N'importe quoi. Allez, on y va. Bon bah ça y est, on vient de descendre du tram là. Voilà. Il y a Kiabi, il y a là. Action. Kiabi, il y a... Ouais, voilà, voilà, il y a ça. Puis derrière, il y a d'autres magasins. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire en particulier? Tu veux faire quoi? Aller à Action, d'abord. Tu veux aller à Action? Je suis d'accord, ok. On va. On va à Action. On va, oui. Ok, on y va. Ça y est, t'es arrivé à Action. Action. On va dans quel rayon? Dans le rayon jouets, bien sûr. Dans le rayon quoi? Jouets. Dans le rayon jouets? Oui. Ok. Ah. Allez, c'est parti. On va au rayon jouets. Des bons chocolats. Voilà, mademoiselle. Mes rayons jouets. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça va, 9 euros, ça... Ça me dérangerait pas qu'elle le prenne si bien pour ça. C'est pas cher. Non, rien, vas-y, tu veux rien. Voilà. Donc voilà le rayon jouet de chez Action. Regarde là. Des Hatchimals. Tu veux un Hatchimals? J'espère que t'en auras pas en double. C'est ça que tu veux? Ouais. Tu veux même ça, ça plusieurs. Tu veux voir? C'est un vieux, les notes. Regarde, il y a les plumes là. Et attention, j'ai l'impression que tu l'as. Hein. Alors, fais-y. Hé, hey, regarde ce qu'il y a en bas! Des LOL! Là! Je préfère encore qu'elle prenne ça. Je sais pas ce que ah, c'est. C'est pas des poupées, c'est ça, regarde là, ça. Il y a des trucs de lore, sur les LOL. Mais il y a la poupée quand même dedans. Oui, attends, viens, je prends celle-là. Et là, il y a ça. Et là, je touche. Je touche. Là au moins, moi je prends ce que tu veux, mais là, là tu en as eu plein et là tu en as eu plein et tu risques d'avoir les mêmes. Après tu as ça aussi. Après tu vas oublier si j'ai touché un truc comme ça. Non, c'est pas la vidéo, je touche, je prends. Hein. Oui, si je prends ça, je me rentre après. Ah ouais, il y a ça. Et finalement que je veux pas, et ben est-ce que tu prends, tu fais comme tu le sens. Oh, regarde, il y a les mini aussi. Bon, je crois que Sindel a repéré le coin là. Parce que moi, je vous préviens, je regarde les prix. Hein. Et j'ai droit à trois noms. Hein. Ok. Attends, pourquoi je l'ai là? Ah, elle s'appelle Elisabeth? Ouais, je crois. Bon, comme je suis une faible, j'ai cédé pour que Sindel ouvre cette poupée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires, donc ça va. Une poupée, un peigne et un pétard. Ouvert, trois trucs. Il y avait le Père Noël ici. Ouais, il y avait le Père Noël. Il
Il est parti. Il a disparu. Donc voilà, on a le petit peigne, le petit chapeau transparent avec les fleurs et la tiare. L'odeur est vraiment très légère et c'est une odeur de plastique là, pour le coup. Mais je sais pas si elle a une odeur celle-ci. Hein. En fait, je crois que c'est la. T'as pris la version glitter. Là, il y a écrit quoi? Ah, il y a des boucles d'oreilles. Ah oui, il y a écrit Wailing Doll. Donc Wailing Doll, là, ça veut dire poupée de mariée, quoi. D'accord. C'était pas une poupée qui sent bon cette fois. Maman. Tiens, je peux l'ouvrir. Ouais, mais on va manger. Après, non, j'ai pas si faim. T'as pas si faim? Tu veux ouvrir ça maintenant ici là? Oui, s'il te plaît, allez. Si. Bon, bah ok. Hein. Regarde bien la boîte alors. Je suis obligée de dire oui. Est-ce que le rouge, est-ce que ça peut... ça sent le bonbon. Ça se peut que le rouge à lèvres, il sent... Ouais, alors elle a eu un vernis. On dirait le bubble gum. Attends, lève tes doigts. Voilà, le rouge à lèvres, enfin bleu. Du coup, je pense que c'est transparent. Hein. Elle a eu des autocollants pour le vernis. Et les vernis, ils sont quoi? La lime à ongles. Regarde, c'est là. Tiens, remets ça. La lime à ongles, le petit parfum qui va bien. Le vernis, il sent pas. C'est un parfum vaporisateur. Oui. Et le petit gloss en forme de bombe. Voilà. Tu devrais remettre le capuchon. Voilà. Donc, ben voilà, pour cette première partie de Yasmine Challenge. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas eu la poupée. Oh, mais par contre, je suis hyper contente de tout ce que j'ai eu. C'est super bien. Ça, tout le design que j'ai mis de côté. Et moi, je savais pas qu'en fait. Bon, j'ai le droit de dire non à certains trucs quand même. Hein. Je vais pas dire oui à tout toute la journée. Hein. Non, mais le McDo, tu dis oui. Oui, le McDo, je dis oui. Parce que toi, tout le monde aime le McDo. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu décides qu'on va où? McDo! Au McDo, tu veux manger McDo? Après, on ira au jeu. Ou au jeu? Ah, oh, ça, j'aime pas aller au jeu du McDo. Yeah! Bon, 5 minutes. Ok. Voilà, je dis oui pour 5 minutes. Comme ça, je garde mon droit au non. Et là, j'ai même pas eu besoin de dire non pour la grande récré, elle a pas vu. Oh, les petits copains et les petites copines, je sais pas si vous allez voir, mais là-bas au fond, voilà, il y a une personne toute en rouge. Et Cindel l'a pris pour le Père Noël. Tu l'avais dit que c'était le Père Noël? Bah oui, je t'ai dit que c'était le Père Noël et toi t'as cru que c'était le Père Noël. Elle croit tout ce qu'on lui dit, cette petite. Elle veut dire qu'il voulait juste se déguiser en Père Noël aussi. Non, c'est juste quelqu'un qui porte un survêtement rouge. On est retourné chez Action, il y a beaucoup de monde. Cindel a choisi de me prendre une coque très généreuse. Merci. Cela dit, le design de la coque, c'est pas trop mon truc, mais bon, j'ai pas le droit de dire non. Puis ça vient du cœur. Hein. Par contre, pour elle a choisi un très joli casque. Ouais, non, mais pas de patrouille là. Pourquoi c'est bien? Là, regarde, c'est peut-être plus intéressant pour toi. Tu veux une petite culotte de licorne? Non, c'est un maillot de bain. C'est pas un maillot de bain. C'est quoi? C'est une brassière et une culotte. Là, il y a des trucs. Ah là, j'ai des bonnes choses. Ouais. Des jolies chaussettes? Ouais. Ouais, ça te plaît? Oh, pas de patrouille! Oh, pas de patrouille, n'importe quoi. La glace, c'est bien! Bien sûr, ouais, n'importe quoi. Et là, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, c'est les pyjamas garçons emoji. Ah, toi, t'es pas un petit mec? Ah, bah, c'est comme ça. On peut prendre pour le concours, hein, quelque chose pour les garçons. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les coussins emoji. Et alors? Alors, je vais user un deuxième nom. Tu en prends un seul si tu en veux. C'était blindé de chez blindé. Ouais. Ouais. Tiens, rapproche-toi de moi parce que t'es un peu trop sur le bord de la route là. Et puis on va prendre le tram et puis Cindel va aller manger. Qu'est-ce que tu vas manger? Un sandwich chez Leclerc, ça te va? Non. Tu veux pas un sandwich chez Leclerc? Non, au McDo, viens. Un McDo? Ah oui. Coca zéro, exceptionnellement, et des pommes, et un jouet ou un livre. Petit joujou, et maman, elle va prendre un petit verre bien frais de jus de fruits. Et ben voilà. Merci. Voilà, donc je pense qu'on est encore dans les schtroumpfs. Oui. Bon,
Voilà, Cindy, elle a presque fini de manger. On va aller au marché de Noël, hein, pour finir cette journée. J'aimerais quand même préciser que c'est bientôt ton anniversaire. Oui. Et que du coup, j'ai accepté le Yes Man Challenge parce que c'est l'anniversaire de Sindel et parce que c'est pas des choses qui valent très cher. Sinon, ça aurait été quoi? Miette hein? Peut-être oui. Première chose, ça, une pochette pour tablette. Pourquoi? Eh bien, tiens, parce que à mon anniversaire, je veux une tablette. Exactement, mais est-ce que tu auras la tablette? Bah oui hein, bah... Parce que là t'as la pochette, mais on sait pas si vraiment tu vas avoir la tablette, hein. Fais voir, donne. Alors là, on va la voir de près. Là c'est pour mettre la tablette. Là, ouais. Là sûrement pour les chargeurs ou les trucs comme ah, ça. Ah oui, c'est pas bête. Et oui. Là, peut-être là le casque et là les chargeurs. Je pense que là c'est le chargeur comme t'as dit au départ et là des petits écouteurs. Tu vois, si tu pars en voyage, que voilà, t'as pas envie de te trimballer les gros écouteurs, ben voilà, je pense que c'est ça. Pour ma tablette. Encore pour la tablette. L'écran, ça vient pour la tablette. Alors, oui, tu sais que c'est pas un écran proprement dit. Ah bon? Hein, c'est une vitre de protection, quoi. Ah oui. Voilà, pour protéger des rayures, tout ça. Donc, on s'est dit que c'était pas plus mal et c'était dans les mêmes tarifs. Alors, j'espère que ce sera la bonne taille parce que j'ai rien compris à leur truc. On a acheté un petit ballon où c'est écrit partie. Ah d'ailleurs, je me suis trompée, c'était celui-là qu'on avait pris l'année. Eh bien, il me semblait bien que c'était celui-là. Alors, il va falloir que je vérifie dans nos paquets pour l'anniversaire. Mais voilà, il me semble qu'on l'a déjà acheté celui-là. Donc, bah, si c'est le cas, c'est pas grave. On en mettra deux, puis ça fera deux ballons dorés. Ah, je suis toujours sur le thème de mon anniversaire. Ouais. Un ballon en papier. En carton, je crois. Ouais, carton et papier. Par contre, là, ils sont à l'envers, alors retournez parce que fait, sinon c'est ils sont. C'est pour faire ça, c'est vraiment classe. Oui, mais retourne-les. Là, ils sont. Voilà, elle comprend rien. Oh là 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 là. Elle comprend rien. Voilà, comme ça. Là, tu vois, là, c'est le gros du ballon, et puis là, c'est le tout petit nœud, quoi, en fait. Ouais. Donc voilà. Tiens. Donc, c'est quoi? C'est des ballons en papier et carton, c'est ça? Ouais, à déplier pour faire joli, ouais. On les suspendra aussi. Ouais. Avec, on a trouvé d'autres petits ballons qui s'allument. Maman, elle avait même pas fait attention. C'est vrai. Et du coup, après, je lui ai dit, ah, mais ça, maman, c'est des ballons qui s'allument. Eh oui, c'est des ballons qui s'allument, effectivement. Alors déjà, moi, je les ai pris parce qu'ils étaient nacrés. Et nacrés, métallisés, comme si c'était du métal. Bah, par contre, il n'y en a que trois, tu vois. Bah, alors moi, j'ai rien vu. Hein. Je pensais qu'il y en avait plus que trois et je savais pas qu'ils étaient lumineux. Donc là, je découvre avec vous, hein. Bon, bref, enfin, en même temps, il y avait tellement de monde dans ce truc. Est-ce qu'on me voit? Oui, on te voit. Alors, toi, ce que tu as voulu concrètement du Yes Man Challenge, c'est le ballon, la pochette. Il y a quoi d'autre là-bas? Le ballon parti aussi. Mais il y a encore d'autres trucs que tu as voulu. Ouais. Alors, vas-y, montre-nous. C'est ça! L'étoile LOL. Exactement. Alors, j'avais le droit de dire trois fois non. Alors déjà, montre-nous. Un petit sachet. Voilà, on va voir le petit sachet organza. Rose, tout rose. Tout rose. Donc là, ça fait un petit peu rouge, mais en fait, il est rose. Et dans ce petit sachet-là, ouais. Il y avait une lima ong. Excusez-moi, là, je l'ai mis d'autres. Ouais, une lima ong, exactement. Et je me suis déjà un peu servi avec accroché un petit parfum qui sent un fruit. Je crois que c'est le bubble gum, mais je suis pas sûre. C'est pas du parfum. Depuis tout à l'heure, on s'en met partout. C'est pas du parfum, ça me paraissait bizarre parce que quand Sindel appuie dessus, en fait, ça fait tout bleu. Je vais vous montrer. Attends, je vais montrer. Eh ben, en fait, c'est pour sublimer la peau, voyez, pour mettre des paillettes, en fait. Voilà, et ça met des paillettes, effectivement. Alors, là, on le verra pas. Ah, quoique, attendez, je vais essayer de faire. Ouais, voilà, on voit un petit peu. C'est... et ça sent bon. Donc ça, c'est la lime à ongles. Voilà pour les deux premiers objets que vous avez dans la boîte étoile. Alors, on a un petit rouge à lèvres, non, du bleu à lèvres.
Un bleu à lèvres. Mais il est un peu particulier, ce bleu à lèvres. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il a de particulier? Du rose. Attendez, je vais vous montrer. Et en plus, il sent. Ouais, il sent le bubble gum. Ah oui? Ouais. Alors, quand on l'applique sur les lèvres, effectivement, il fait pas bleu ni transparent. Ah, t'as une tête comme ça. Il fait rose. Vas-y, approche-toi. Ouais, là, on voit bien. Voilà. C'est un petit rouge à lèvres magique. Très sympa. Ouais, en plus, franchement, il est bien. Et en plus, il se transforme en rose. Bah, exactement. C'est génial. Ensuite, t'as quoi d'autre? Toujours sur le rouge à lèvres, là, on a un petit baume à lèvres. Exactement, un petit baume à lèvres. Avec une petite poupée. Avec un petit dessin de poupée LOL dessus. Alors là, par contre, je vais l'ouvrir moi-même. Et voilà. Alors ça, c'est un brillant à lèvres. Hein. Voilà. Non, mais Zindel, fais pas ça. Après, tu vas. Regarde, tu touches la combinaison. Tu t'enlèves et tu touches la combinaison. Donc là, ça va pas. Il sent bon aussi, ça sent trop bon. Et du coup, c'est un brillant à lèvres. Tiens. Ensuite, on a un petit rouge à lèvres, mais non, un petit. Vernis à lèvres. Un petit vernis à ongles. Tu vas y arriver. Un vernis à lèvres, n'importe quoi. Un vernis à ongles. Et tiens, tu nous passes le reste qui va avec. Vous avez de quoi vous faire une manucure. Voilà. Vous avez des petites planches de stickers, c'est trop mignonne. Et pourquoi c'est tout petit? Parce que c'est à coller sur les ongles. Exactement, vous combinez les deux, vous mettez le vernis, vous mettez les stickers. Nous, on va rajouter le petit top coat par-dessus, le vernis transparent pour Cindel. C'est vrai que Cindel ne le connaît pas. Et ça va faire tout joli, on fera ça ce week-end. Franchement, moi je dis bien, pour un petit cadeau, c'est pas mal. Voilà, c'était celle-là. Donc là, il y a écrit make-up. Il y en a d'autres où c'est des bracelets, des choses comme ça. Oui, ouais, d'ailleurs. Et donc la boîte se garde, quoi. Ouais. Plus à emoji. C'est ton premier. Je préférerais le chat parce que j'adore le chat. D'ailleurs. C'est vrai qu'il est beau, moi aussi je préférais. Derrière, on avait perdu notre chien là. Ouais, ça t'a rappelé ton chat, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que... bien sûr, t'étais pas rasé. Hein. J'aimais bien le petit jaune aussi. Je sais plus ce qu'il faisait, un clin d'œil, je crois. Ouais. Et c'est ton premier coussin emoji. Tu m'en as souvent demandé. Et puis à chaque fois, on l'a pas pris parce qu'on prenait autre chose ou ça. Donc voilà. Ça. Donc Cindel a choisi son casque pour aller avec sa tablette. Oui. Donc on va voir. Ah oui, c'est vrai. Et franchement, il est stylé quand même. Il était à 6 euros et des poussières. Donc franchement, agréable surprise. Quand on a écouté le son sur le téléphone, franchement, t'es très contente. Il est réglable. Bien. Voilà. Il se plie aussi comme ça, mais j'ai pas envie de forcer. Voilà, là, je force pas. Et de l'autre côté, par contre, c'est un peu plus difficile. Ouais, non, ouais, c'est bon. Mais voilà, je préfère ne pas y toucher. Je préfère le laisser comme ça. Donc voilà, ça, elle a voulu aussi un casque. Et j'ai dit oui, parce qu'elle en avait besoin. Je comptais lui prendre de toute façon. J'en avais déjà parlé. En plus, elle hésitait si c'était de ma taille ou pas. Mais en fait, oui, moi, j'en étais sûre que c'était ma taille. Ah, moi, tu parles Ah oui, on dit maman hésitait, pas elle hésitait. Hein, c'est pas la copine, c'est maman. Cindel m'a fait un petit cadeau. Ouais, elle est très cadeau. Elle est là, regarde. Elle m'a acheté une coque de téléphone. Ah, mais ça, bien sûr. Voilà, une coque d'ivrogne. Ça avec un vin. Non, c'est pas le vin. Alors, elle voulait m'acheter aussi celle avec le verre de vin. Mais j'ai dit non, ça va aller. Là, on va. La bouteille, la bière, c'est bien, ça ira. Voilà. Il y en avait pas mal, hein, mais elle a choisi la bière. Ouais. Pourtant, je vois pas une goutte d'alcool, mais bon. Voilà. Ensuite, on est passé au marché de Noël. Et puis, on a acheté les petits pains d'épices. Et puis, le Saint-Nicolas, tu me le donnes, s'il te plaît? On les achète toujours. Saint-Nicolas, c'est le Père Noël ou quoi? Non, c'est pas le Père Noël. C'est Saint-Nicolas. Voilà, toutes les années au marché de Noël, on achète au même stand alsacien le Saint-Nicolas et les petits pains d'épices. Et je pense qu'on va y retourner et puis on va en reprendre un petit peu. Mais ouais, alors après, on a fini aussi au McDo, c'est ça, hein, Cindel? Ouais, voilà. Au McDo, d'ailleurs, là, tes pommes dans le... Chariot. Oui, t'as demandé un McDo, j'ai dit oui parce que bah t'avais pas mangé. Ouais, depuis le matin. Après, j'ai plus mangé. Bah oui, je t'avais proposé de manger, t'avais pas voulu. Donc, bah voilà. La prochaine vidéo que tu veux faire, Cindel, c'est celle avec le bandeau, c'est ça? Oui, j'ai plus comment ça s'appelle. C'est j'achète ce que je touche en fait.
Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc si tu tombes sur des serpillères, eh ben, je te prendrai des serpillères. Non. Ah bah si, si tu tombes sur des culottes de grand-mère, je t'achèterai des culottes de grand-mère. Bon, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et je laisse Sindel conclure cette vidéo. À très bientôt. Ah bah non, moi, je conclue. Ha. Les copains, les copines, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un max de bruit en commentaire. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ça nous fera toujours plaisir. Nous, on vous dit à la prochaine vidéo et on vous fait des gros bisous. Ah, je vais détailler un peu la caméra.